j'ai levé un sourcil en voyant que je suis passé après quelqu'un d'autre déjà défendu ça. Puis je me suis dit, au final, ne faut-il pas être de deux pour montrer que tout est mathématique, tout l'infinité de toute l'existence même. Et au final, mon camarade l'a déjà dit, les mathématiques ne représentent-elles pas l'infini, l'infinité des choses. Crochet, moins infini, point virgule, plus infini, crochet, plus dédié. Ça serait de me dire que pour justifier votre point de vue, vous allez prendre celui de la personne d'avant. Non, je reconnais juste, je reconnais que d'autres personnes peuvent avoir des arguments plus intéressants qu'il convient de reprendre. Voilà. Tout à fait. Mais moi, je suis plus audacieux. Je vais vous dire que j'aurais pu contredire ça en disant que l'occurrence est raison, que la raison est. Il y a plein de choses qui sortent de ça. Mais tout ça, ça aurait été la morale de Walt Disney. Ça aurait été me convaincre que j'ai ma place à l'UNEF. Mais non. Je vais vous démontrer cette fois que tout n'est pas mathématique, parce que la mathématique en ses propres limites. Les maths ne peuvent tout englober car elles ont leurs propres limites. Si c'est de réveiller l'amphi, j'aurais sans du matin pour soi. Mais aussi, car avec sa propre logique, sa logique. Tout n'est pas possible en mathématiques, car elle se contente sur la raison, sur sa propre raison, et ainsi elle ne peut tout englober parce qu'elle a ses propres mentalités. Tout ne peut pas être mathématique. Alors je vais rester justement, vous me dites que les mathématiques ne sont que raison, mais je vais rester sur mon argument de l'infini. On y va. L'infini en soi est un concept impossible à imaginer. Parce que vous essayez de le concevoir seulement une seconde. Or, les mathématiques arrivent, elles, à le concevoir. Et je pourrais vous dire que les mathématiques se retrouvent partout dans la société. Commencer dans l'histoire, dans plein de religions, je sais pas, aller au pif ou un truc un peu hardcore, mettons les Aztèques, qui étaient passionnés de sacrifices humains au sommet de leur pyramide, devaient par jour faire tant de sacrifices pour satisfaire leur dieu. Ou les Égyptiens, avec leur pesée de l'âme, qui devaient faire un rapport entre action positive et négative qui permet ou non l'élévation de l'âme. On retrouve donc les mathématiques partout. Je pense que ce matin on est assez contenu vidé par les mathématiques. On a vu les questions. On a vu plein de choses. Mais on a oublié qu'au travers des mathématiques, on ne sait plus que ce qu'on dit. La démarche de l'homme de faire des mathématiques, c'est cette démarche de vouloir tout quantifier, de vouloir tout faire. C'est un peu comme les sciences sociales. Mais on peut se targuer de dire que les sciences sociales, c'est un peu aussi des mathématiques. Bon, une fois, c'est un inverse de rôle. Mais je vais vous dire que les mathématiques ne peuvent pas tout faire. Comme elles sont humaines, vous êtes en train de me dire qu'elles sont universelles. Très bien. Mais c'est que les universelles sur la nature de l'homme, ça n'empêche toujours pas le fait que s'il ne partira pas à l'homme, ne partira pas aux mathématiques. Tout n'est pas de l'homme. Ah, mais elles sont universelles sur la nature de l'homme, elles sont pas vraies. Sur la nature elle-même, par exemple, où on retrouve une grande influence de mathématiques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, dans la nature elle-même, vous pouvez, on ne sait pas, prendre par exemple, reprendre un exemple très bête. Vous plantez un pommier, jusque-là tout est bon. Vous attendez à ce qu'il pousse des pommes. Bon, d'une année sur l'autre, si vous faites un boulot correct, à un moment, il va repousser des pommes. Et autre chose. On voit clairement une formule qui revient à chaque fois, inlassablement, sans aucun changement. Ou même tout simplement, on peut aller à un niveau plus microscopique, où on retrouve des formules mathématiques dans les molécules, dans les atomes, dans les électrons, dans les neurones. C'est bien compris l'idée, vous êtes en train de nous dire qu'on peut prévoir un phénomène à l'avance. Et que là, c'est la mathématique. En plantant un pommier, on a certain nombre de choses. Et là, je vous dis que vous avez tort, c'est que vous fondez sur des probabilités. Mais les probabilités n'englobent rien à la totalité de ce qui existe. Parce qu'une probabilité, c'est à partir d'événements, à partir de données qu'on a maintenant, c'est parce qu'elles ont fonctionné. Sauf que ce qui est relatif à toute compréhension des mathématiques, c'est les événements qui n'existaient pas avant. La probabilité se base sur un instant T, alors qu'on est incapable de penser des nouvelles variables. Tout n'est pas formulé par les mathématiques parce qu'il n'y a pas ces nouvelles variables. Vous êtes contredit vous-même en disant que quand je prends la première, il peut pousser autre chose. Vous n'avez aucune manière de savoir. Vous pensez, mais si une nouvelle variable arrivait dans l'équation, eh bien, ce ne serait pas du tout pareil. Et après, je dis ça parce que je suis un humain, je peux me tromper comme tout un chacun. Et évidemment, qui à qui ne s'est jamais arrivé en faisant une opération mathématique de se tromper. Mais les mathématiques en elles-mêmes peuvent progresser. Parce qu'on peut encore toujours découvrir de nouvelles choses en mathématiques, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, justement, nous pouvons prévoir de nouvelles choses. Donc ce sera à nous dire qu'on découvre des nouvelles choses en mathématiques, c'est-à-dire que tout ne serait pas dans la mathématique. Ah non, j'ai pas dit ça, c'est que notre perception de mathématiques, en soi, n'est pas complexe. On peut encore découvrir de nouvelles choses sur le territoire même des mathématiques. Vous êtes d'accord? On découvre de nouvelles choses ou on se crée de nouvelles règles? Ça peut être... après, c'est évidemment, c'est une perception personnelle, on se crée de nouvelles règles pour essayer de visualiser le monde. Mais les mathématiques en elles-mêmes restent les mêmes, et quand on découvre
quelque chose, il ne se crée pas, il existait déjà avant. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut tout découvrir avec les mathématiques? À partir du moment où tout n'est pas faisable dans les mathématiques. Par exemple, ici, moi, je vois assez carrément. Attention, c'est tout. Est-ce qu'on peut essayer de tout quantifier, de tout englober, parce qu'on est, lorsqu'on a un outil qui n'est pas malade dans l'infini? Là, vous avez dit l'infini. L'infini n'est pas dans les mathématiques. Attends, je pensais avoir donné une définition assez mathématique de l'infini. Une histoire un peu proche de fin. Mais c'est pas ça. Je conclurai simplement que, à l'heure où certains se disent qu'on est né trop tôt pour explorer les étoiles et trop tard pour explorer les continents, il nous reste tout de même les mathématiques à explorer et ça fait quand même un sacré bout de chemin. Comme vous l'avez dit vous-même, si on explore les mathématiques, c'est-à-dire qu'on en sort à l'intérieur d'elle-même, on se retrouve dans toute la philosophie, tout ce qui peut exister à l'humain, et ainsi, montrer ceci, c'est montrer que c'est une chose qui est finie, et là, une recherche de l'homme, et que l'homme, une pensée finie, va se retrouver dans une tête sexuelle. Donc tout n'est pas dans le monde.